Avant que la vidéo ne commence, j'ai deux choses à te dire. Alors, la première, c'est que j'ai un Discord. Voilà, lien en description, n'hésite pas à rejoindre. Et la deuxième chose, c'est que je stream de façon régulière désormais le samedi et dimanche à 15h. Donc voilà, n'hésite pas à venir un de ces quatre, ça ferait super plaisir. Allez, bon visionnage. Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo invocation sur Isekai Slime Memories. Aujourd'hui les gens, oui, enfin une vidéo invocation. Pourquoi? Parce que j'ai enfin un compte fixe sur Isekai Slime Memories. Putain, après quand même plus d'un mois que le jeu est sorti. Un mois je dirais que le jeu est sorti. Je crois, hein, parce qu'il y a une campagne. Il y a une campagne du mois justement. Il y a une campagne pour fêter le mois de sortie du jeu. $1 million. Ah, il n'y a pas marqué? Mince, j'avais vu ça passer. Donc bref, et du coup un nouveau portail, le portail de Limul, roi démon, donc hyper stylé pour le coup. Et du coup, ouais, j'ai enfin un compte. Alors, pour le coup, ce compte, je l'ai pas eu moi-même. Donc un grand merci à Shiki, qui est un abonné assez récent sur la chaîne. Et du coup, on a discuté comme ça un peu sur Discord et il avait un compte Slime à me donner. Et du coup, voilà, je t'en remercie. Un grand merci à toi mec, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est grâce à lui que maintenant j'ai enfin un compte sur le slime. Et du coup on va tenter Limul, et il m'a mis extrêmement bien, hein. J'ai 2200 cristaux, alors il y en avait 1009. Donc j'ai réussi à farm 300 comme ça avec tout ce qu'il y avait encore à faire. Enfin avec ce qu'il y avait encore à faire, 2-3 trucs par-ci par-là tu vois. Et du coup voilà, du coup je suis à 2260 cristaux. Ce qui est vraiment pas mal, on va pas se cacher, hein. Ça fait 3, 6, 9, 12, 15, 18, ça fait 7 multi. Ça fait 7 multi, donc c'est vraiment pas mal. On espère l'avoir, hein, le Limul. On va tenter déjà les tickets, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, le compte est extrêmement lucky. Genre, franchement, pour avoir fait des rerolls, c'est abusé. C'est abusé parce que, genre, la plupart de mes rerolls puent la merde. Et là, ce compte est vraiment pas mal. On en reparlera en fin de vidéo. Mais du coup, voilà. Du coup, les gens, si la vidéo te plaît, évidemment, à la fin, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner. Ça fera extrêmement plaisir sur ta chaîne. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Et également. Elle fait morceau Black Friday, hein, on connaît. Hop. Donc voilà, donc bref, je disais, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, ça fera sans plaisir si tu viens à la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le feront et un petit commentaire, voilà, c'est très important. Donc je vous remercie. Bref, nous sommes partis, les tickets de Limul. Alors avant toute chose, qu'est-ce qui vaut ce Limul? Encore un perso ténèbre, ça fait beaucoup quand même, hein. On va pas se le cacher, niveau portail, il y en a limite un par semaine si je me trompe pas, c'est vraiment beaucoup, hein. Je veux bien qu'il faut des persos, tu vois, tout ça, mais là on a quasi une full team ténèbre, donc c'est quand même beaucoup, hein. On va pas se le cacher. Après, le but je pense que c'est pas d'invoquer sur tous les portails, donc c'est pour ça que celui-là, je vais peut-être pas forcer, tu vois, je vais être honnête avec vous, mais du coup on va tenter déjà les tickets au moins, on sait jamais. Avec un gros coup de chance. Ce midin, le jeu donne quand même 21 tickets, ce qui fait 2 multi. Donc voilà, on sait jamais. Écoutez, on sait jamais. Donc qu'est-ce qu'il vaut ce Limul? Donc extrêmement stylé, hein, roi démon, tout ça. C'est un perso magique, donc assez intéressant. Assez intéressant, perso magique. Bon, il n'y a pas encore de distinction, je pense, entre les magiques et les physiques, mais voilà, on sait jamais. Alors, attaque dark magique de 270, bon ça m'a l'air simple. Alors, ça buff le crit de 80% et il buff de 15% crit dommage. Ok, je pense que c'est que à lui, il buff son crit, ouais. Les dommages crit et les crit... Et le taux, voilà. Taux de crit de 80% et le dommage crit 15%. Ok, mouais. Et après, pour tous les alliés, il donne évasion. Ouais, Shizu le fait, ok, pourquoi pas, mais c'est pas non plus ultra incroyable, hein, on va pas se le mentir. Donc en vrai, ouais, ce Limul, je sais pas, je le trouve pas, tu vois, genre, pas oufissime, honnêtement, ce Limul. Donc voilà, donc bref, nous sommes partis, let's go, c'est parti, 21 tickets, on sait jamais, là, voilà, première fois que je teste ce compte, en termes de drop, on va voir, écoute, s'il ralasse, hein. Bon, pour l'instant, il a l'air d'avoir rien. Non, ok, y a rien, donc Rigurd, El Famoso, hop, ok, Azu. Alors c'est vraiment dommage qu'on ne peut pas faire des multi directs, j'aurais bien aimé, mais écoutez, c'est comme ça. Alors on n'a pas de crépuscule, au niveau des ennemis, je les connais pas encore, hein, je vous cache pas, je les connais pas encore, hormis que finalement, quand c'est crépuscule, bah c'est R3,
CR3 garanti. Et par contre, pour un R4, bah, il y a juste là, à ce moment-là, où tu vois s'il est multicolore ou pas. Si multicolore, on bande fort, mais... À part ça, j'avoue que je ne connais pas trop d'animation. Hormis si, il y en a aussi une autre, alors je sais pas si on va la voir. Mais c'est Limul qui combat Milim. Là, normalement, c'est R4 garanti. Normalement, donc voilà, ce serait un gros coup de chance, j'ai envie de dire. Alors, toujours pas de chance pour le moment. Toujours pas de chance, mais bon, de toute façon, ça serait insane hein, de faire tomber le Limul là sur les tickets. Mais écoutez, c'est donné. On va pas faire la fine bouche. Mais déjà, un petit rébuscule pour essayer de chavirer un peu. Essayer de vibrer. Là, non, dommage, là, j'y ai cru, tu vois. J'ai cru que ça allait taper le R3, mais non. Dord. Ok, ah, je l'avais pas? Ah si, je l'avais. Quand même. Quand même, évidemment que je l'avais. Évidemment. Ok, on est toujours sur du jour. Pour l'instant, rien de spécial. Rien de spécial non plus. Il y a juste là aussi, c'est vrai que sur le grand sage, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Il pourrait nous dire very... Enfin, il pourrait faire un truc rouge, alerte, alerte, je crois. J'ai jamais eu en invoque, mais bon. Je pense que ça doit y être, ça, ce genre d'anime. Je pense que ça doit y être. Ouais, ça doit faire very height dans City, tu vois. À mon avis. Bon, toujours du 2, là, y a rien. Ah, un 3. Dommage. Il y a eu le premier 3. Premier 3 qui tombe, chillon. Dommage, dommage. Pas de chance. Ok. Alors, attention. Là, nous avons encore du 2. Mais bon, en même temps, leur 3 était tombé comme ça. Hein. Ça serait insane hein, que le 4 tombe comme ça. S'il y a un 4 qui tombe. Mais ouais, je suis un peu déçu que ça fait pas de multi là direct, tu vois. Cela, faire single sur single, c'est un peu relou. J'aime pas trop, mais bon. Peut-être qu'ils vont corriger ça plus tard, quoi. Ça serait bien. Ça serait vraiment good. Mais bon, après les tickets, voilà, on va pas cracher dessus, hein. C'est donné. C'est donné de la part du jeu. Mais voilà, honnêtement, ça dépend votre reroll. Hein, et votre team TNM, mais honnêtement, là sur l'Imul, selon moi, je vous conseillerais pas vraiment d'invoque. Hein. Ça vaudrait pas des masses le coup. Hein. Il m'a pas l'air incroyable ce l'Imul. Il m'a pas l'air incroyable. Et vu mon compte, je vais vous faire voir après. Voilà, j'ai encore moins de. Moins finalement d'obligations à invoque dessus, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais faire certainement que les tickets, quoi. Honnêtement, je vais faire que les tickets et basta, quoi. Toujours la même, High Density, rien de spécial. Ouais, rien de spécial. On est à combien de tickets? On est à 10, je crois, non? Il doit nous en rester 10. Il nous en reste... ouais, ok, 11. Il nous reste 11 tickets, les gens. Oh! Ok. Crépuscule. On sait jamais. Crépuscule, donc R3 minimum. Ouais. Ah, dommage. Dommage, dommage. Dommage, dommage. Kaijin. Ok, pas de chance, pas de chance. J'y ai cru. J'y ai cru un peu là, sur ce coup-là. Il y avait moyen, il y avait moyen, mais malheureusement, il y avait moyen de moyenner. Malheureusement, non, ce n'est pas tombé. Ce n'est pas tombé. Alors. Toujours un 2. Ouais, toujours un 2. Malheureusement. Bon, le skip, il marche pas beaucoup, le skip. Hein. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça pourrait être mieux, quand même. Ouais, dommage, rien. Là, on est sur du R2. Enfin, c'est vrai que c'est même pas du R2. Je dis ça par rapport à Ars, hein, mais non, c'est du 3 étoiles. C'est du 3 étoiles. La pierre rareté. C'est pas du 2 étoiles. Ouais. Ouais, ouais. Ok, rien du tout. Il reste 7 tickets, les gens. Enfin, 8 en comptant celui-là. Donc, pour l'instant, rien de ouf. Mais bon, encore une fois, là, ça serait totalement fou hein, que ça tombe comme ça. Ça serait insane. Ça serait insane. Alors, Gel Gabzon, rien du tout, rien du tout. On est à 14. On est à 14. On a déjà skippé une multi là, en soi. Donc, une première multi qui n'a rien donné. Peut-être la deuxième. On peut peut-être espérer un petit R4. Allez, un 4, ça serait stylé. Ça serait stylé. Un 4, en vrai, ça serait des bons tickets. Si j'arrive à choper un 4. Et si c'est l'Imul, excellent, hein, magnifique. Magnifique. Alors. Encore un 3 étoiles, visiblement. Alors, bleu. Ouais, encore du bleu. Dommage. Kenya, il tombe souvent, lui, putain. Lui, il tombe vraiment souvent. Hein. Il y a 5 tickets, les gens. Ah, crépuscule. Donc, c'est un 3 pour l'instant.
C'est toujours un 3 pour le moment. Alors. 3. 4. Oh 4 ! Limul ! S'il te plaît. Flair Circle ? Ah ! Ok. Bah je l'ai pas. Ok. Ifrit. On prend. C'est avec les tickets, c'est donné gratuit. Ifrit comme leader du coup. Un leader qui donne 10% pour les feux et 8% pour les lights. Ok. Ok. D'accord, petit drop. Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, je voulais l'imule, hein, évidemment. Évidemment, on est sur son portail. Évidemment que l'imule ça aurait été excellent, mais un petit drop, on crache pas dessus. C'est donné. En plus, je l'ai pas. Tant que c'est pas un doublon, en vrai, ça m'arrange. Je vous cache pas. Tant que c'est pas un doublon... C'est quand même vachement bien. Même si c'est vrai que sur les divines, j'en avais déjà deux de côté. Donc là, un troisième, voilà quoi, c'est pas ce qu'on vise en priorité quoi. Et disons que ça va pas faire monter le BP, donc la puissance de combat général. Donc j'aurais préféré quand même un combattant, tu vois. Mais bon, après on va pas cracher dessus. Il y en a, il drop rien, donc voilà, on va clairement pas cracher dessus. Il reste deux tickets les gens. C'est jamais. Alors là, si on fait un deuxième 4, insane. Hein. Totalement insane, mais pas mal. Écoute, franchement, c'est pas un doublon. Nouveau perso. Lead qui pourrait servir quand même. Hein. Pourquoi pas. Ok, du R2 encore. Et il en reste plus qu'un. Bon, je pense qu'on aura rien. Je me fous le patron en disant ça. Mais là, je pense que c'est vrai. Alors, 2. Pour l'instant, c'est un 3 étoiles. 3 étoiles. On skip. Et c'est rien. Et c'est rien, et c'est rien. Je sais pas pourquoi ça marque Master Ogre le loterie, tu vois. Je sais pas trop pourquoi. Ouais, en vrai, c'est juste de la gourmandise de tenter. Hein. C'est juste de la gourmandise. Donc bref, on va faire un petit... je vais vous faire voir un petit peu, du coup, le compte. Voici le compte, les gens. Voici le compte. Totalement stylé. Hein. Très, très stylé. Hein. Shiki, là, il m'a ralasse. Il m'a régalé. Il m'a dit, écoute, player, je vais te régaler. Je vais te régaler, donc voilà. Donc, il y a le Famoso Diablo. Famoso Diablo level 80, il y a bien sûr le Limul Cube, Shuna bon qui est gratuite, il y a Shizu, il y a évidemment la nouvelle Milim, voilà, la Milim Ténèbre, le Veldra Ténèbre, le nouveau également, et en Divine Protection du coup, il y en a 3 maintenant, hein, le nouveau Ifrit qu'on a chopé, enfin le Ifrit qu'on vient de choper, le Veldra Vent hein, qui était... qui est normalement, il me semble, le meilleur leader. Enfin, pour démarrer, c'était le meilleur leader. Donc voilà, donc pas mal. Pas mal, pas mal. Et également, bien sûr, Shion Ténèbres, parce qu'on régale jusqu'au bout. Shion Ténèbres leaders. Donc voilà, très sympa également. Très, très sympa également. Donc voilà, quoi, au niveau Ténèbres, j'en ai quand même 3 excellents, hein, 3 nukers. Donc j'ai pas besoin de ce Limul, pour être honnête. J'ai clairement pas besoin de ce Limul Roi Démon, donc... Je vais pack tranquillement. Voilà, mais en tout cas, très très content hein, de ce compte pour le coup. Et bah écoutez les gens, on va s'arrêter là. On aura eu petit Ifrit là. Ifrit level 1, mais qui va monter du coup 80. Bon, j'ai plus d'orbe du coup, c'est la crise. C'est la crise, mais il va falloir que je le monte. Mais voilà, donc du coup, niveau nouveau Divine Protection, on prend, c'est cool, c'est un leader qu'on n'a pas, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc les gens, merci à regarder la vidéo, donc ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, voilà, très important, ça soutient la chaîne, donc merci à tous ceux qui le feront. Également, un petit commentaire, voilà, n'hésite pas, ça me fera super plaisir. Est-ce que vous avez eu quelque chose dans les tickets de Limul? Si vous jouez toujours au jeu, voilà, n'hésitez pas, hein, mille et une façons de mettre un com, donc voilà, ça ferait extrêmement plaisir. Allez, bye tout le monde, bonne chance pour vos invoques.